Avant toute chose, nous devons avoir une pensée fraternelle pour le militant de l'Arc, Dominique Capretti, actuellement dans les prisons colonialistes d'Ajaccio, pour avoir défendu la Corse et uniquement pour cela. Monsieur Gilly, le préfet de région, a cloué au pilori et mis au banc de l'infamie Dominique Capretti, qui avait dans le passé commis une faute vénielle. Il aurait pu s'en dispenser. Gilly, lui qui est le représentant d'un régime dont les dignitaires furent compromis dans des scandales de portée internationale comme l'affaire de la Villette, comme l'affaire de la garantie foncière, ou qui furent encore compromis dans l'affaire du fichier des téléspectateurs sans qu'ils aient été poursuivis quand ils n'en furent pas récompensés. Il aurait pu s'en dispenser, Gilly, lui qui est le représentant d'un système et d'un régime dont le Premier ministre ne payait pas d'impôts et qui a eu le front, quelques mois après la divulgation du scandale, de briguer la magistrature suprême. Il aurait pu s'en dispenser, Gilly, lui qui est le représentant d'une administration qui a compté dans ses rangs des Miguet, des Delaunay, des Abadi, ce dernier compromis dans le vol avec falsification d'un procès-verbal lors d'une élection à Bastia. Il aurait pu s'en dispenser, lui, qui représente une administration qui couvre les escrocs de la Vinaccia et poursuit les patriotes. Il aurait pu s'en dispenser, Gilly, lui qui a eu comme compère dans l'administration préfectorale un Turon, qui est parti en laissant des clous dans toutes les boîtes de nuit d'Ajaccio, qui a profité de son passage dans l'île pour se faire donner une pension de 100%, et lui qui a touché comme pot de vin une villa à Portici. Gilly a suggéré de façon venimeuse que le passé de Capretti expliquait ses choix autonomistes et son aptitude au coup de main entre guillemets. Il l'a malhonnêtement taxé de récidiviste, alors qu'un affichage, si tant il est qu'il constitue un délit, avoir la mansuétude dont bénéficient les chefs de clan dans ce domaine, aurait pu être à la rigueur un délit politique. Gilly, de surcroît et de mauvaise foi, car il avait reçu de Paris des instructions précises, lui enjoignant d'autoriser les militants de l'Arc à afficher ou à inscrire des slogans en vue du congrès de ce jour. Nous reviendrons plus loin sur cette affaire. Mais d'ores et déjà, nous pouvons assurer Madame Capretti et Isovioli de notre solidarité agissante, tandis que Dominique, dans sa prison, peut avoir la certitude, lui, le militant irréprochable dont la présence aujourd'hui était indispensable et espérée, que tous ensemble, et quels que soient les moyens employés, nous ferons l'impossible sous peu pour l'extraire de sa prison afin qu'il reprenne la lutte à nos côtés. J'en prends au nom du mouvement l'engagement solennel et je demande à ce congrès l'envoi dès demain matin des deux télégrammes suivants. Lourd à Doumen et Gougapret, prison d'Ajaccio, soutien total, à presto. L'autre à M. Gabriel Gilly, préfet de région. Exigeons libération immédiate et inconditionnelle du militant de l'Arc Capretti. Administration porterait responsabilité. Situation nouvelle découlant prolongation des tensions injustifiées. Monsieur, nous devons aussi, en dehors de toute considération politique, remercier Michel Pierucci, maire de la ville de Corte, d'avoir mis une fois de plus à notre disposition et bénévolement le stade Santos Manfred de la Maison des Jeunes. De surcroît,
De surcroît, il nous a facilité en toutes choses les 1000 démarches indispensables à la réalisation de nos journées, dont le succès, la qualité et la tenue rejaillissent sur le conseil municipal et la population cortenaise. Et maintenant, nous allons commencer la véritable intervention. Ceux qui avaient misé sur l'effondrement de l'arc seront déçus une fois de plus, car jamais le succès de nos assises ne fut plus éclatant, inchiffrable. Jamais la densité ne fut aussi importante, et je le sens bien. Jamais la chaleur communicative, la communion intense ne fut plus perceptible. Jamais, aussi, la rage de vaincre ne fut plus enracinée. Déçus seront ceux qui avaient spéculé sur notre lassitude engendrée par 10 ans de luttes inégales contre le pouvoir colonialiste omnipotent et ses complices discréditer les clans, contre les forces de l'argent, terribles, aliénants, contre la répression sournoise, feutrée avec ses paroxysmes, contre les pressions de toutes sortes, contre l'indifférence aussi, le fatalisme, le scepticisme de nos propres compatriotes, contre les mensonges et la calomnie. Déçus seront aujourd'hui ceux qui espéraient nous voir écuvés de baves, d'insultes, de haine engendrées par l'impuissance. Déçus seraient ceux qui, et je veux espérer qu'il n'y en a pas un seul parmi vous qui serait venu aujourd'hui ici comme à une fête ou un pèlerinage. Par contre, confortés, encouragés, soutenus, galvanisés, seront ceux qui ont conservé l'espoir, ceux qui dépassent leurs petits problèmes, leurs mesquineries, leurs états d'âme, ceux qui ont toujours lutté et devront lutter chaque jour plus durement encore pour sauver le peuple corse. Ce peuple ballotté, souvent déboussolé, partagé entre des sentiments et des attitudes contradictoires, et qui côtoie quotidiennement les extrêmes. Il revendique l'identité culturelle et singe les pires modes importés. Il aspire à la dignité et il se vautre trop souvent dans la bassesse simultanément. Il peut témoigner d'un courage exceptionnel et d'une veulerie sans mesure concomitante. Il affiche un désir affirmé de spécificité et recherche parfois la sécurité d'un droit commun mortel. Il témoigne d'une volonté de changement radical et perpétue un clanisme qui le perd. Il a la volonté de se rééduquer, mais il porte trop longtemps encore des béquilles désormais paralysantes et qui ne sont plus nécessaires. Aujourd'hui, le temps des périphrases est révolu, comme est révolu le temps des adjectifs ajustés, des démonstrations savantes et parfois creuses, des querelles entre frères, quelle que soit leur appartenance. Révolu est le temps des acrobaties, des divisions, des concertations alibis, des stratégies parfois contestables. Aujourd'hui, au nom de l'art, que je voudrais vous imprégner de l'extrême gravité de la situation, disséquer celle-ci avec une rage froide et lucide, vous mobiliser, et mobiliser à travers vous, qui en êtes la fraction la plus consciente, le peuple corse, notre peuple. Il est en danger de mort, donc il est en légitime défense. Cette lutte sera dure, peut-être longue, et si elle doit être sans pitié et sans faiblesse, elle ne supporte pas l'improvisation si elle veut être sanctionnée par la victoire. Car l'histoire ne retient que les victoires et les manuels des vainqueurs, soit gomme l'histoire des vaincus, soit la dénature en la caricaturant. Leurs exploits y deviennent des exactions de bandits. Leur courage est imputé à la vénalité, ou mieux à la manipulation des pays étrangers. Qui ne se souvient de Ben Bella attaquant la Poste d'Oran pour financer le FLN, taxé de bandit à l'époque, puis encensé comme patriote lorsqu'il devint le chef de l'État algérien? Quel Corse a pu apprendre l'histoire authentique de notre pays, étouffée par la puissance tutélaire, sans que certains historiens douteux transforment la bataille de Ponte-Novo en des noces sanglantes et attendues entre le colonisateur et le colonisé? Pascal Paoli aurait été vendu à l'Angleterre, mais la vérité officielle passe sous silence.
l'œuvre immense du républicain, du patriote, du législateur. Le congrès de Cortillin en août 1974 s'était déroulé dans un climat différent, largement imputable aux fonctionnaires coloniaux, surtout Delaunay, venu de Guyane, promettant de nous casser, nous taxant d'incendiaires et de séparatistes. Le schéma d'aménagement était rejeté par le peuple tout entier, mobilisé dans sa volonté de sauver l'université in corte. Le congrès d'aujourd'hui se situe, lui, dans une conjoncture différente. La situation apparemment est fluide, impalpable, alors que les luttes sur le terrain se sont poursuivies. Transporteurs, agriculteurs, lutte contre l'implantation des centrales au fioul, barrages routiers. Alors que la prise de conscience n'a cessé de s'amplifier, succès de toutes les manifestations culturelles. Alors que l'arc n'a jamais autant milité. Alors que jamais les échos favorables à notre action n'ont été aussi largement répercutés dans le peuple corse de l'île et de la diaspora. Et pourtant, la situation est d'une gravité extrême. À quoi cela tient-il? Et je réclame ici toute votre attention, car à notre sens, l'explication suivante apporte les réponses aux questions posées. Le mot clé, la sésame de la période actuelle, est l'opération Bou, déclenchée par le pouvoir en janvier 1975. À la fin de l'année 1974, le gouvernement trouve en Corse une situation explosive avec l'affaire des agriculteurs, coupable d'avoir déculotté un haut fonctionnaire de la DDA. Ils sont incarcérés puis déportés sur le continent. La mobilisation populaire en leur faveur, mobilisation dans laquelle l'ARC a joué un rôle déterminant, se démultiplie devant les provocations de Delaunay. Lorsqu'il transforme, par l'emploi d'une répression déchaînée utilisant les gardes mobiles et les grenadages au chlore par hélicoptère, une manifestation pacifique de soutien à Ajaccio en émeute. Les banques, Air France, la Transat, les commerces colonialistes sont dévastés par les jeunes Corses, littéralement enragés par l'attitude répressive et injuste de Delaunay. Mais le gouvernement ne cède pas. Et il faut à l'appel de nombreuses organisations syndicales, sociales, politiques, une manifestation à Ghisonaccia, avec plus de 2000 manifestants, dont les trois quarts sont armés, pour que le pouvoir commence à montrer qu'il est hésitant. Ghisonaccia est le siège de violences identiques à celles d'Ajaccio. Mais Paris reste intransigeant. Et seule l'annonce d'une grève générale dans l'île, avec des manifestations importantes à Ajaccio et à Bastia, le contraint enfin à capituler. Nos agriculteurs sont enfin élargis, désorientés, décidés à gagner le temps nécessaire à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour remplacer un schéma d'aménagement vomi par le peuple. Paris lance la mission Bou, et celui-ci d'emblée, et sans que l'ARC soit demandeur, reçoit notre mouvement officiellement dans la capitale, tout en sachant pertinemment qu'il valorise notre cause, mais tout en espérant secrètement nous désarmer. L'entrevue avec Liebert Bou mérite d'être brièvement racontée. La nomination de Bou est auréolée du départ que nous avions exigé, d'un Miguet et d'un Delaunay totalement discrédités et profondément haïs. Dirigeva in un Parigi, hotel Hilton a 40 sacchi a camera, ribasto vine e podrawaio, pendente ore. Une délégation de 8 membres dûment mandatée par nos camarades du comité exécutif écoute M. Bou se présenter, grand aménageur et grand déménageur, doté de moyens financiers importants, il bénéficie de 4 casquettes. Président de la mission interministérielle, du Fonds d'expansion économique de la Corse, de commissaire à la rénovation rurale de l'île, il y en a 3 seulement pour toute la métropole, et de délégué au développement économique insulaire. Ce dernier poste n'existe nulle part ailleurs. Monsieur Bou nous explique comment il entend bâtir sa charte de développement après concertation avec les Corses. D'emblée, le secrétaire général de l'ARC précise que le mouvement a toujours été ouvert au dialogue, mais qu'il doute de l'efficacité de la mission Bou, et réaffirme la position intangible, non négociable, de l'ARC, obtention d'un statut d'autonomie interne au sein de la République française et reconnaissance juridique du peuple corse. Monsieur Bou s'empresse de nous dire qu'il n'est pas mandaté pour discuter des institutions
Et voilà ses propres termes. Tout le contenu de l'autonomie, oui. L'autonomie elle-même institutionnelle, non. Avec des dossiers étoffés, nous laissons littéralement M. Bou sans voix, car le contentieux est lourd des discriminations et des carences coloniales dont est victime le peuple corse. M. Bou l'admet, mais l'impute plutôt qu'à une politique anticorse à Paris, à une absence de politique. Alors que nous avions la candeur devant la multiplication des schémas, des documents, des études, des commissions d'enquête, de penser que Paris avait une politique cohérente et anticorse. M. Bou expose les grandes orientations qu'il entend suivre dans sa mission. Le schéma est totalement rejeté. La trame fondamentale de son approche sera le respect de l'identité corse. La SOMIVAC réorientera son action vers l'intérieur de l'île. Il faudra tourner résolument le dos à la baléarisation. Il faudra créer 2 ou 3 hôtels de luxe ainsi que 2 ou 3 paradors dans les sites historiques Corti, Bonivaz ou Calvi. Et Bou s'engage à ce que la Légion quitte immédiatement, ou du moins très vite, les citadelles de ces 3 villes. Il veut promouvoir une hôtellerie corse moyenne et les gîtes ruraux. Il veut assurer la corsisation des emplois par une formation professionnelle adaptée et assurer le retour des Corses dans l'île par le biais de circulaires répercutées sur les directions de l'emploi. Les problèmes culturels seront traités de façon prééminente. Università in Corti, promotion de la langue et de la culture corse à tous les niveaux et par tous les moyens, radio, télévision. Et surtout, il le dit à plusieurs de nos responsables, instauration à tous les niveaux d'un bilinguisme intégral dans la vie publique, avec son corollaire dans la vie privée et dans tous les actes de la vie administrative. Le secrétaire général de l'ARC, au nom des camarades présents, fait vivement remarquer à M. Bou que dans ces conditions, le maintien du plan décennal d'équipement qui structure le schéma d'aménagement au profit des terrestres et en prépare la réalisation n'a plus de raison d'être, mais M. Bou, là, se dérobe et dit qu'il avisera sur place. Certes, les critiques contre l'ARC n'ont pas manqué à la suite de cette séance de travail. Certains nous ont reproché de discuter. Comme si toute lutte ne se terminait pas par des approches d'abord, puis par des négociations enfin. L'ARC a été à la soupe, prétendaient certains hommes politiques corses qui sont des spécialistes en la matière, comme si le peuple ne connaissait pas l'intégrité inattaquable du mouvement et leur appétit insatiable. L'ARC a collaboré avec le pouvoir, susurrait quelques mal intentionnés, en feignant d'oublier que la seule opposition valable au pouvoir dans l'île depuis 10 ans résidait dans l'ARC. C'était faire litière de la vérité, car 8 jours après les entretiens de Paris, un comité exécutif rétablissait les faits et réaffirmait nos objectifs. Nos détracteurs faisaient litière de la vérité la plus élémentaire, car comment expliquer, si nous avions eu confiance en M. Bou, notre démarche 8 jours après les entretiens de Paris pour informer l'ONU de la situation coloniale qui sévissait en Corse? J'ai dit pour informer et non pour saisir l'ONU. Comment expliquer tous les articles d'Arit et les tribunes d'Ankirne consacrées à dénoncer la manœuvre? Comment expliquer la démultiplication de l'action militante et tout particulièrement des réunions publiques dans l'île et à l'extérieur? Comment expliquer, si nous avions eu confiance, notre refus de participer aux commissions destinées à l'élaboration de la charte? Comment expliquer l'attitude de l'ARC en présence de M. Bou à un repas de la jeune chambre économique de Bastia le 17 avril 1975, mandaté par mes camarades? J'y avais moi-même fustigé la démarche de M. Bou, rendu compte sans équivoque et sous son contrôle des entretiens de Paris, comme je viens de le faire à votre intention, et j'avais une fois de plus réaffirmé les objectifs du mouvement. Et ce soir-là, à la fin du repas, devant 50 personnes, M. Bou avait eu une phrase lourde de signification: même 200 000 Corses autonomistes ne sauraient faire modifier la Constitution, modification qu'il savait nécessaire à l'obtention des statuts internes. Certains nous ont reproché de ne pas avoir attaqué sur le terrain, d'avoir manqué d'analyse. Mais nous nous rappelions l'effet démobilisateur des maigres promesses d'un mesmer, représentant pourtant un régime UDR totalement discrédité dans l'île. Nous savions parfaitement que nous allions traverser une période difficile pendant 6 mois, car la démarche de Bou était plus intelligente, mieux enrobée, donc plus dangereuse. Sans doute, si nous avions attaqué d'emblée,
On nous aurait alors taxés d'extrémistes, de saboteurs, de boutefeux ou encore de masochistes, car Bou promettait pour l'essentiel ce pourquoi nous nous battions depuis 10 ans. Mais à la sortie de cette opération, les promesses faites par Bou, sans aucune contrepartie de réalisation sur le terrain, la divulgation dans l'opinion publique de nos thèmes de lutte, et en particulier la corsisation et le bilinguisme, ne pouvaient qu'être porteuses d'une moisson fructueuse. Aujourd'hui, M. Bou a bâti sa charte pour remplacer un schéma d'aménagement qui postulait la mainmise des trusts sur toutes nos richesses, qui postulait la mort du peuple corse par l'importation massive de 30 à 40 000 étrangers supplémentaires à l'horizon 85. L'heure du bilan est donc possible. La corsisation des emplois promise par Bou reste une vue de l'esprit car le droit commun ne la permet pas. Et la brochure de l'équipement de 1974 de la DDE signale que 5 800 étrangers sont arrivés cette année-là en Corse. Eu égard aux lois françaises, il ne peut y avoir de préférence pour des citoyens français, quelle que soit leur prévenance ethnique. En effet, jamais la Corse n'a connu une telle invasion d'étrangers à l'île sur le marché du travail. Les récents recrutements à Air Inter ou dans les entreprises privées, ou encore dans les administrations, viennent aggraver une décorsisation intolérable qui atteint son paroxysme au niveau des cadres PTT et des banques par exemple. Monsieur Bou a admis récemment dans la presse régionale que les règles de la fonction publique, programmées par l'ordinateur de l'éducation nationale par exemple, ne permettaient pas de donner la préférence aux Corses et que sont devenues les circulaires promises dans les différentes administrations. Si la réouverture de l'Universidad de Gorti, imposée par les luttes populaires, commence à rentrer dans les fêtes. Comment ne pas rester inquiet devant les manœuvres, tendant à dessaisir le directoire issu, lui, du consensus, de le dessaisir de ses prérogatives, pour y imposer telle ou telle personnalité corse, dont la nomination est avalisée par tous les clans sans exception et par M. Bou lui-même. Je voudrais aussi ici faire une mise en garde à M. Charles Bassot, le souriant vice-recteur de la Corse. Malgré les promesses de Soissons, réitérées par Bou, il refuse de collaborer avec le directoire dont il a ajourné unilatéralement la formalité d'installation à Corté. Et monsieur, de son côté, fait son petit programme quant au contenu et quant au calendrier. Les promesses dans le domaine culturel faites par monsieur Bou restent lettre morte. La langue et la culture corse sont totalement dépourvues de moyens. Quant au bilinguisme, il est inaccessible. Monsieur Bruch, recteur à l'éducation nationale des langues minoritaires, a déclaré récemment en Corse qu'il serait malsain de rendre obligatoire l'enseignement du corse à l'école. Comment monsieur Bou compte-t-il instaurer le bilinguisme sans cette indispensable mesure? L'effort consenti en faveur de la rénovation rurale, 10 milliards d'anciens francs en 5 ans est notoirement insuffisant. Nous en verrons plus loin les dispositions suspectes. La charte de retour des exilés, promise par M. Bou, se limite à 2 foyers. Ununayach et Lastrumbastir, percento giovani corsi qui sono in esilio. C'est dérisoire. Non seulement la Légion étrangère n'a pas quitté les citadelles de Calvi et de Bonifacio, mais elle effectue d'après l'autorité militaire des travaux importants à la citadelle de Corte qu'elle doit occuper pour une durée supplémentaire de 3 ans. Et ici, c'est extrêmement grave, car nous avions évoqué à plusieurs reprises publiquement l'incompatibilité habituelle dans la coexistence dans une même ville d'une vocation universitaire et d'une vocation légionnaire. Cela signifie-t-il que l'université de Corse, dans 3 ans, ne sera pas ouverte? Ou cela signifie-t-il vraiment que la Légion en partira à ce moment? Les promesses concernant Casabiande, faites par M. Pleven et reprises par l'entremise de M. Bou, promesses qui ont eu lieu en 1971, sont réduites à la cession à la commune d'Aléria de 250 hectares d'arpents de marécage et de 20 maigres hectares de bord de mer. Le préalable politique à la solution du problème corse est écarté. Et l'on vient nous parler, alors la réforme de la vie civique,
qui relève d'un certain nombre de facteurs sociologiques, ainsi que des pressions, du bourrage des urnes, de la distribution d'aides sociales et de pensions, est réduite à une simple réforme du vote par correspondance auquel se substituerait le vote par procuration. Cette procédure n'ayant d'autre résultat que d'opposer dans la presse régionale Corse de l'île et Corse de la diaspora à travers une polémique stérile. Est-il question d'épurer les listes, ce qui est capital et ce qui est encore plus important sous le contrôle de magistrats intègres, alors qu'actuellement pour la confection des listes, les maires sont juges et partis? Est-il question de rendre suspensifs les arrêts du tribunal administratif? Est-il question de sanctionner durement les fraudeurs et de les rendre désormais inéligibles? Est-il question, comme cela se fait dans des pays étrangers pour une période intérimaire, de programmer des transports gratuits en période électorale pour éviter d'instaurer une sélection par l'argent et pour permettre à nos compatriotes, jusqu'à un véritable rétablissement de la vie civique, de venir accomplir un devoir auquel ils tiennent souvent? D'ailleurs, Nicolas Alphonse, dans sa démarche, n'a obtenu que l'accord de 140 maires sur 360. La réforme du vote par correspondance est une fausse solution à un vrai problème qui va rendre le clan, qui n'est jamais à court d'idées, encore plus fort. Que sont devenues les promesses aux transporteurs dont les camions sont remisés à la ferraille quand il ne s'agit pas des saisies par huissier, alors que les flottes des camions rutilants de la Transat sillonnent les routes de l'île, alors que les transporteurs étrangers à l'île en font de même et qu'ils livrent leurs marchandises à des prix de dumping défiant toute concurrence? Que sont devenues les promesses aux agriculteurs, enlisées dans les lentes procédures d'exécution? Qu'est devenue la spécificité de la Corse, réintégrée dans le droit commun le plus strict par la bidépartementalisation de Pogna? La Corse était la seule région française à n'avoir qu'un seul département. Ce qui était original et pouvait être l'amorce d'une solution. Aussitôt, on crée deux départements. Pourquoi? Non, certes, pour remédier à la légitimité des problèmes soulevés par une sous-administration relative du nord de l'île et qu'une simple délégation de signature aurait pu résoudre. En fait, on a choisi cette solution pour créer des jeux électoraux dont les Corses sont si friands, pour conforter les notables dans leur position, pour raviver les campanilismes entre le nord et le sud, pour casser les autonomistes et pour nous refuser toute spécificité. Pourquoi la volonté de nommer à des postes clés comme la SETCO des compatriotes tels que Jean Matteoli, président directeur général des Charbonnages de France et homme du système, nouveau responsable de la commission emploi à l'UDR? Quelle innovation! Et quelle inquiétude pour nous quand on considère le bilan de la gestion pour la Corse de 15 ans UDR. La nomination de M. Risterucci à la Somivac, antérieure il est vrai, ainsi que celle de M. Arrighi de Casanova, s'inspire de la même politique, même si ces deux personnalités sont plus objectives et sont plus libres de leur mouvement. Quelle rigueur! Quelle volonté de sévir dans le scandale monstrueux de la Vinaccia dont vous a parlé Christian. L'administration impavide s'installe dans le mutisme, organise l'impunité des escrocs, au demeurant parfaitement connu. Le dernier exploit des Infantes, Cuaz, Depey, Siegel, Junca est désormais du domaine public. À signaler que ce dernier nommé s'était déjà fait remarquer en achetant sur le continent des œufs impropres à la consommation, des œufs à la casse, et qu'ils revendaient comme des œufs à la coque pour des enfants de Bastia dans certains grands marchés. Il fut vite démasqué et neutralisé, mais cet acte est révélateur de la moralité et de la rapacité du personnage. Scandale financier sans précédent, cavalerie, traite bidon, société écran, escompte à gogo, caution solidaire, toute la gamme des coups défendus vous a été exposée par Christian. Et l'administration de M. Gilly, lui si prompte à condamner, lui si pur, que fait-il pendant ce temps? En accord avec les banques dont la responsabilité dans cette affaire est majeure,
Elle s'active à étouffer le scandale, à sauver les fraudeurs et les escrocs qui ne risquent pas moins qu'entre 3 et 10 ans de prison. Pendant ce temps, Caprette, coupable d'avoir affiché ses idées et coupable d'avoir affiché notre acte, lui est en prison. Quelle différence fondamentale entre le schéma d'hier et la charte d'aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il suffit de consulter les ports de plaisance dans le schéma pour constater que la charte leur donne la priorité. Il suffit de consulter dans le schéma le réseau hydraulique de la Balagne ainsi que du sud-est de la Corse pour constater qu'il s'agit essentiellement de dotations à vocation littorale. C'est la même chose dans la charte. Il suffit de constater le réseau routier sur le littoral, 300 millions de nouveaux francs dans le plan décennal d'équipement, pour constater que l'intérieur n'est doté, lui, que de 180 millions de nouveaux francs. C'est la même chose dans la charte. Le schéma, certes, ne parlait pas de rénovation rurale. La charte de Liberbou, elle en parle. Elle propose la modernisation de 300 exploitations sur 6000, soit 5% en 5 ans. 2 milliards d'anciens francs par an pendant 5 ans. En fait, seulement 300-400 millions d'anciens francs, le reste étant disdaigné à l'hydraulique pour les trusts du tourisme, avec, bien entendu, des retombées inévitables pour la population locale. Le schéma a été muet sur le réseau hydraulique du Cap Corse. Et voilà que la charte, d'un coup, dote celui-ci de 8 milliards d'anciens francs, alors que l'agriculture du Cap Corse est inexistante et qu'en hiver, il n'y a pas 1000 personnes. Le schéma prévoyait 35 000 lits touristiques pour le Cap, Bastia et le Nebbio. Le SDO de Bastia, très récent, en prévoit 30 000 rien que sur les temps de Bigouille, soit une augmentation de 35 000 lits par rapport au schéma. Pour l'intérieur, les seuls plans d'occupation au sol existants sont ceux de Corti et Ghisogne et Casamatch. Tandis que les autres plans d'occupation des sols, 56 au total, concernent des communes côtières. Ceci consacre l'abandon de l'intérieur et la valorisation du littoral au profit des trusts du tourisme. Donc, il n'y a rien de changé. Quel changement après le passage au bout dans la démographie? Elle est catastrophique. Tous nos villages sont morts ou achèvent de mourir. Toute la Corse rurale compte moins de 600 naissances par an. 200 communes ont un quota inférieur à une naissance par an et plus de 3 décès. 86 communes seulement sur 365 ont plus de naissances que de décès. Ayatch, Bastia et Abiadi Oriental, 7% les comunes, en 80% les nascite. Tout le reste la Corse, il y en a 20% solo. La vie de la Corse se développe entre deux villes et se liserait. L'intérieur, gardien des traditions, gardien de la culture, est abandonné. Et comment M. Bou peut-il nous parler de rénovation rurale? Avec qui va-t-il la réaliser? L'origine de la population en Corse est plus inquiétante. Les Corses reculent tous les jours. Le peuple corse constitue pour l'essentiel les couches âgées de la population. Les non-corses sont des actifs qui prennent en main l'économie de l'île. En 1964, il y a 20 ans seulement, sur 186 000 habitants, il y avait 169 000 Corses et 17 000 non-Corses. En 1975, aujourd'hui, sur 220 000 habitants, 120 000 Corses et 100 000 non-Corses. Donc, en 20 ans, 44 000 Corses sont partis et ont été remplacés par autant d'étrangers à l'île. Mais il y a plus, par le jeu combiné de la balance démographique, de l'exil des jeunes Corses féconds, de l'apport massif des jeunes étrangers féconds, par le vieillissement des Corses de l'île, de plus en plus stériles, le peuple corse est en danger de mort, car sur 2800 naissances annuelles, 1600 naissances seulement sont d'origine corse. Le bilan actuel général du schéma, ou de la charte, comme vous voulez, est tragique, sur tous les plans, culturel, économique, ethnique. La charte de Liberbou, c'est le schéma plus le chloroforme prémortem. Elle programme l'aliénation de toutes nos richesses, l'aliénation de nos valeurs culturelles,
l'affectation de l'argent public aux travaux pour les trusts, la disparition de notre peuple. Elle préfigure une Corse désertifiée à l'intérieur, avec vraisemblablement des maisons vendues aux étrangers, avec peut-être les circuits du club méditerranéen dans les pays hôtels, comme l'a suggéré il y a quelques jours Trigano, sous l'œil réjoui de Jean-Paul de Rocassère. La charte préfigure la Corse moderne, énorme lupanar, où sous couvert de libéralisme, on verrait les ébats sexuels sur les plages comme le rapportait Nice Matin hier, où l'on verrait des nudistes ne plus être des adeptes du naturisme, mais des adeptes agressifs de l'exhibitionnisme. L'histoire de la Corse est bien connue et chacun ici sait comment les fils de sa tragique histoire se sont noués. Ponteno, la défaite, mais la rébellion quand même. Pendant 50 ans, Uviumorbo, Uniolo, Guagno, Sisoppisa de Battudi, Agor Sigera Bovera, Igor Sopartudi, de la funzione pubblica, Pere Guerre, et Stato l'esilio, ci parlano sempre i quelli che hanno riusciuto, di riduttori, di generali, di alti funzionari, ma nemmeno ci parla di l'angoscia di si disgraziati, che sono partiti in una valigia e che spesso non hanno visto un paese che non ha ciampino. In 14, 40.000 morti, un francese a Bradese in delle scuole, e ci vuole parlare a lui, per avere una chance di riesce, non c'è mica progresso, i corsi partono. E poi 57, l'isola è spopolata, disgraziata, addio disgraziata di tutto contorno della Mediterranea. E allora faccio una somivac, la rete intesa, tutte le dare ai beni neri, faccio una zetco, e a facca una banda di zeppe i promotori e i banchieri. 40.000 corsi di 57 a 74 si ne vanno, e 40.000 bristeri ugnano. Sapete che pulsù da battesi 20 anni per avere diritto a sa piccola lingua corsa di Alegetta Lexon. C'è pulsù da battesi 10 anni per avere l'università allora di legge francese allora tutte le altre ragioni. C'è ora la battesi d'orna forza sai per avere un diritto di conoscere la nostra storia, la nostra cultura. Quanto alla frode, démultipliée par le vote par correspondance instauré par l'IDR en 58, elle a connu un déferlement démentiel dont la gauche et la droite corse ont profité avec un égal bonheur. Les discriminations ne se comptent plus. La proposition du schéma d'aménagement fut odieuse. Et vous nous direz qu'a fait le clan. Ce clan qui, au début, était une mauvaise adaptation sociologique à une situation difficile. Le clan des protecteurs, le clan des entremetteurs s'est transformé lentement en association de malfaiteurs avec deux cabi mafiosi, Jacobi et ses satellites, Rocassera et les siens, sous le vocable plus acceptable de parti. Ils sont des complices éhontés qui se livrent au partage du gâteau, qui règnent par la corruption. Ils étaient à la Somivac quand les terres ont été données aux étrangers. Ils étaient à la SETCO quand elle nous a dépouillés de nos biens touristiques. Où étaient-ils dans les luttes populaires? Chemin de fer de la Corse. Casabianda, oui, ce jour-là je m'en souviens. Jean-Paul avait une entrevue avec les agriculteurs, disait-il, ces agriculteurs qu'il a si bien défendus, tandis que François Jacobi avait un rendez-vous avec le prince Napoléon. Où étaient-ils? Dans l'affaire des Bourrouges, où étaient-ils dans la lutte pour l'université? Eux qui ont pénalisé, malgré la loi, des milliers de jeunes Corses, car les études ont montré que 25% des jeunes Corses bacheliers les plus nécessiteux ne pouvaient pas poursuivre des études supérieures à cause de moyens financiers trop faibles. Et la voilà, la politique sociale de ces fossoyeurs. Dans l'affaire de Pinilla, ils ont marché les pieds dans les reins, sous la pression populaire.
Et leur action se situe sous un triptyque. Démission, trahison, lâcheté. Que ne disent-ils un mot dans l'affaire des vins? Puis en 1974, contestation, dit François Jacobi, fièvre de croissance passagère, dit le renard, en fait tentative de mise à mort d'un peuple qui a un droit imprescriptible à la vie. Notre avenir, vous le connaissez, la mise à mort, à moins que, le clan s'est-il réformé pour autant? Est-il devenu plus conscient des réalités politiques? A-t-il une aptitude à comprendre? Il a d'ores et déjà perdu totalement la jeunesse, si tant il est qu'il l'ait eu un jour. Il hoquette, il agonise, mais il n'en finit pas de mourir. Car l'administration le soutient, car ils sont des complices liés contre le peuple corse. Quand vous pensez que le Conseil général de la Corse a osé ôter du préambule de la charte de Liberbou le mot de peuple corse que celui-ci s'était permis le luxe d'y glisser. Bou l'a d'ailleurs maintenu. Quand vous pensez qu'alors que le Conseil économique et social avait justement fait de la solution du problème corse la nécessité d'un préalable politique, le Conseil régional, lui, a demandé une réforme régionale pour toutes les régions françaises. Le système de clans, je n'ai pas dit les hommes, j'ai dit le système, il doit être cassé. Pourquoi? Tout simplement, parce qu'il encourage la répression, parce qu'il revendique la continuité territoriale, parce qu'il exige le droit commun. Je n'ai pas l'intention de vous dire ce qu'a fait l'ARC depuis des années. Nous avons été de toutes les luttes populaires sur tous les terrains. Nous avons suscité des états généraux. Nous avons lutté contre les agressions des bourrouges. Nous avons fait des tables rondes. Nous avons écrit un livre d'Odonomir qui a fait la première analyse chiffrée et irréfutable du colonialisme français en Corse. Nous avons dénoncé toutes les carences. Nous avons démystifié les pensions, les comptes sociaux, la Corse pauvre, la Corse assistée. Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que, indépendamment des centaines d'interviews, de réunions, des dizaines de luttes sur le terrain, du million d'arrêts édités, des 2 millions de tracts distribués, partout où le peuple corse était réprimé, partout où le peuple corse était menacé, partout où il était victime d'injustice, partout où il était dénigré, l'ARC a toujours été en première ligne. Il n'y a pas chez nous de situation acquise d'anciens combattants ou de droits d'antériorité. Les hommes comptent peu. La notion d'équipe est privilégiée. Institution démocratique et collégiale, émanation des militants et à travers elle du peuple. Le mouvement ne manque pas de laudateurs, certes, mais de critiques acerbes. Et en particulier, un journal anglais écrivait ailleurs, hier, que nous étions soutenus par Kadhafi. Qui disgrazia che non le vivat. Anuletto che hanno un corte, ci siamo più di limoneda. Per un travaglio come questo qui, so che lo rappresenta per i nostri militanti. Cioè che posappi di che hanno un corte, un movimento ha vinto a poco presso 1 milione l'anziano franchi e che un seul gala organisé dans une ville a Bastia o Ajaccio peut nous rapporter facilement 2 milioni d'anciens francs. Ce n'était donc pas une philosophie mercantile qui nous avait guidés. Nous voulions porter un message de lutte et d'espérance au cœur de cette Corse désertifiée. Tantôt les attaques fusent contre nos dirigeants. Manarini est mis en cause. Ange-Marie Renouche, Jean Mattei, moi-même, quelle est la signification profonde de ces ragots colportés? Tenter d'ébrécher une solidarité sans faille. Je dirais simplement à ces détracteurs que si à l'instar de ces militants, ils avaient accompli le centième de ce qu'ils ont fait en faveur de ce pays, la Corse serait autonome sur le champ. L'ARC est le repère de petits bourgeois aigris qui ont envie de prendre les places pour continuer les jeux stériles de la politique. Une ineptie à balayer d'un geste.
L'arc n'est pas représentatif. Vous ne représentez donc rien. Alors que la Pravda disait l'autre jour, et je vous signale que je ne l'ai pas lu dans le texte car je ne parle pas le russe, que la majorité politique était une notion bourgeoise et que seule comptait la majorité révolutionnaire. Au passage, la Pravda disait aussi que l'union de la gauche est une stratégie électoraliste sans portée. Quant à M. Dominati, par l'intermédiaire de Kirn, je crois que ce secrétaire général des Républicains indépendants et Corse, il a dit « On peut être plusieurs milliers à Corté et ne rien représenter du tout ». Nous lui répondrons sans peine que les Républicains indépendants peuvent très bien dans l'île n'avoir aucune structure, aucun mouvement militant, aucun jeune, mais qu'avec quelques notables et quelques urnes convenablement bourrées, on peut avoir la représentativité des escrocs, celle que l'on mérite. L'arc est raciste, que l'on me cite un exemple de quelqu'un qui a tenté, bien entendu dans la mesure où ses intérêts économiques étaient compatibles avec la légitimité de notre combat, que l'on me cite l'exemple de quelqu'un étranger à cette île, qui sous couvert soit d'un patronyme différent, soit de la couleur de sa peau, ait été exclu de notre lutte, soit à cause de sa confession, et qui, plus que l'arc, a défendu le professeur Le Borgne, guadeloupéen, qu'une lettre de cachet éloignée de son pays, la Guadeloupe. L'arc plastique où manipulent les plastiqueurs. L'arc ne plastique pas, et nous vous expliquerons tout à l'heure pourquoi, car à notre avis, c'est trop ou c'est trop peu. Quant à l'accusation de manipuler les plastiqueurs, c'est faire injure à ceux-ci, car ils ont leur propre analyse qui est différente de la nôtre, ils ont leurs propres objectifs qui sont différents des nôtres, et ils ont leur propre stratégie qui est beaucoup plus détonnante que la nôtre. L'arc est passéiste. Che non giramenti mo quando eravamo zidelli, che non giramenti di sti forni spenti, di sciruglioni iodi, di eonde e pecore che impiegano, che montagnano seguendo la stagione, che non parlimi di tutti storti, ponti a rano o a ranone. E voilà d'un coup que en assumant son passé, on devient uniquement un passéiste. Comme si l'homme devait immanquablement se déraciner de sa souche pour devenir plus crédible, plus valable, plus opérationnel. Nous pensons fondamentalement le contraire. Et certains prétendent aussi que nous n'avons pas de programme. Je n'ai pas l'intention ici de vous le développer, car Aodonoumi l'a fait, et l'a fait certes de façon incomplète, le travail est perfectible, mais ce sera l'affaire de demain, car l'heure n'est plus au programme. Des institutions claires, excluant le séparatisme, des voies démocratiques, des choix d'un développement économique et social reposant sur l'information des citoyens. Et vous savez bien que seule l'autonomie interne permet d'établir la planification, car maintenant, celle que nous avons dénoncée, ce sont les technocrates étrangers qui la font. Vous savez bien que seule l'autonomie interne peut restaurer la vie civique. Et vous savez que maintenant, ceux qui la corrompent, ce sont l'administration et ses complices, les clans. Vous savez bien que l'autonomie interne peut seule promouvoir une agriculture de type communautaire. Et vous savez que maintenant, c'est une agriculture de gros colons. Vous savez que seule l'autonomie interne peut vous donner un tourisme à l'échelle humaine, respectant nos visiteurs et nos intérêts légitimes. Alors qu'actuellement, l'administration et les clans encouragent le tourisme des trusts et des monopoles aliénants. Vous savez que seule l'autonomie interne permet de créer une industrie adaptée à nos besoins. Vous savez que seule nous pourrons choisir en toute démocratie, à côté du respect de la petite propriété privée, les voies communautaires d'une autogestion librement consentie. Et ici je voudrais dire à ceux qui ont le goût des schémas théoriques, que l'on n'impose pas au peuple, contre ses idées, contre sa vocation, contre sa confession, des schémas importés. Regardez simplement autour de nous, comme la révolution portugaise bute
sur le conservatisme des masses rurales non éclairées et qui sont profondément catholiques. Elles étaient d'accord pour la révolution, mais elles ne sont pas d'accord pour le collectivisme autoritaire. Vous savez que seule l'autonomie permettra d'instaurer une véritable politique des revenus, une fiscalité plus adaptée, un rétrécissement justifié de l'éventail des salaires. Vous savez parfaitement que l'autonomie est une véritable révolution, non pas au profit des notables, mais au profit du peuple laborieux, de celui qui travaille et qui se bat. Vous savez que seule l'autonomie va permettre de créer notre université, non pas telle que la programme Bassot et ses complices, mais telle que l'a défini le directoire, avec sa dimension culturelle, avec sa dimension économique, et surtout, avec la fin de ce barrage de la sélection du savoir et de l'argent par l'Institut de la formation permanente, où le monde estudiantin et le monde du travail seront fraternellement liés, car c'est une innovation importante. Et Paris, et les clans, ils ne veulent pas de l'accession du monde du travail au savoir. Vous savez que seule l'autonomie permettra de bâtir une charte du retour, de rétablir l'homme dans une échelle humaine, dans sa dignité et dans son milieu naturel, la Corse. La Corse est riche, elle est riche en moyens financiers, car comment expliquer pour un département de 200 000 habitants la présence de 60 000 banques, si ce n'est par la justification d'encaisser, de 60 banques, pardon, si ce n'est par la justification d'encaisser les 300 à 400 milliards d'anciens francs que doit rapporter le tourisme annuellement d'ici 1985. Et la Corse est riche d'hommes, en exil et dans l'île. Nous préconisons un nouvel humanisme révolutionnaire d'un peuple qui aspire à la survie et à l'épanouissement dans son pays. Le département a fait faillite, la région a fait faillite, l'autonomie seule peut assurer sa survie. Mais c'est maintenant que je vais réclamer votre attention, car tout cela était bien connu, même si certains points méritaient d'être précisés. Bilan catastrophique sur tous les plans. Donc effort de réflexion et d'analyse. Définition d'une nouvelle stratégie de lutte. Car en fait, entre le peuple corse et l'État français, il y a deux démarches parallèles qui ne se rejoindront jamais. Car il y a un dialogue de sourds. Car il y a une incompatibilité fondamentale entre les finalités des deux démarches radicalement opposées. La première démarche, celle de l'État, concrétisée actuellement par la mission Bou, refuse toute spécificité à la Corse, nous enfonce dans le droit commun et s'acharne, malgré toutes les réalités objectives, à maintenir un statu quo colonial qui signe notre spoliation et notre arrêt de mort. Paris assigne à la Corse un rôle de fournisseur de devises étrangères à l'économie nationale pour le tourisme et un rôle stratégique en Méditerranée pour la défense nationale. Que peut-on attendre des clans et des partis complices de Paris dans sa politique néfaste? Rien, malheureusement. La deuxième démarche, celle de l'Arc, est une démarche historique qui vise à sauver le peuple corse et qui s'oppose donc à la démarche de type économique de Liberbourg, qui vise à décoloniser le peuple corse et qui s'oppose donc à nous voir opposer des arguments tels que la prime à la vache ou la prime à l'élevage ou la tonte des veaux, etc. La démarche de l'Arc vise à restituer au peuple ses biens volés et implique une modification de la Constitution. Quelle stratégie dans la lutte faut-il adopter? La voie électorale est fermée par la fraude démentielle qui sévit dans ce domaine. L'engagement de l'Arc sur ce terrain, si nous entendions y imposer un comportement démocratique, n'aurait pour d'autres résultats que de nous opposer à d'autres Corses les armes à la main, pour le plus grand profit de l'État colonialiste, qui l'espère secrètement et le suggère, même parfois en nous suggérant d'emprunter cette voie. L'Arc s'y refuse. La voie de la violence clandestine, aussi remarquable que soient les motivations et le courage de ceux qui l'ont choisie, elle est de portée limitée.
Elle est remplie de risques politiques et peut permettre des provocations dont certaines furent éventées et dont certaines, nous le savons, sont en préparation. Ces provocations n'ayant d'autre but que de faire couler le sang d'innocents afin de discréditer les clandestins d'abord et à travers eux les mouvements autonomistes légaux. Paris s'acharne à dresser le peuple corse contre nous et nous ne devons pas tomber dans ce piège. Paris ne reculera devant aucun moyen pour la réussite de cette entreprise criminelle. La voie des manifestations de rue est fermée depuis plusieurs mois, car nous avons parfaitement conscience que l'état d'exaspération du peuple corse, son refus de subir une politique coloniale qui le condamne à mort, ont atteint un tel degré d'intensité que l'affrontement sanglant est désormais inévitable, sans préjudice des provocations aisées que permet ce type de protestation. Donc, bien que nous soyons en légitime défense, il n'y a plus rien à faire. Notre échec est consommé, à moins que, et pourtant, nous en avons marre car nous avons parfaitement cerné la stratégie de l'État colonialiste qui nous lanterne, qui gagne du temps, qui nous épuise dans 1000 combats sans succès, qui nous manœuvre avec sa mission bouliquidatrice. Nous en avons marre de ces 1000 promesses non tenues concernant la non-publication de l'enquête administrative de Ghisonaccia, concernant Casabianca, concernant la langue corse, les transporteurs, les agriculteurs et j'en passe. Nous en avons réellement marre de l'arrogance de tous les hauts fonctionnaires continentaux qui ont la science infuse et qui traitent l'indigène corse comme du vulgaire bétail. Nous en avons marre de cette décorsisation forcenée qui exile notre jeunesse et consacre l'installation sur notre sol de milliers d'allogènes annuellement. Nous en avons marre de cette justice coloniale qui jette en prison les patriotes et assure l'impunité aux escrocs et aux fraudeurs. Nous en avons marre de cette justice coloniale qui encourage les fraudeurs électoraux par son attitude, car elle est consciente que ces jeux stériles discréditent le peuple corse dans sa totalité et le détournent de la solution des véritables problèmes. Nous en avons marre de cette invasion de commerçants halogènes. Nous en avons marre de l'arrogance de ces colons qui ont volé nos terres. Nous en avons marre de leurs méchouis, de leurs piscines, de leurs voitures de luxe, de leurs gazons bien tondus, de leurs bateaux de plaisance. Nous en avons marre de leur ironie, qui est une insulte permanente à nos jeunes ruraux, abandonnés, critiqués, privés de toute aide. Nous en avons marre de ces légions de promoteurs avec leurs placards publicitaires, des tigres de papier, leurs architectes sous le bras, leurs bétonnières en instance d'arrivée, leurs plans d'occupation définitive des sols, leurs prévisions de bénéfices intolérables. Nous en avons marre de ces 60 et quelques banques qui ne sont pas là pour aider un commerce corse anémique, mais pour spéculer et pour arracher les derniers lambeaux de notre terre sacrée. Nous en avons marre des filatures sans discrétion, des écoutes à profusion. Nous en avons marre des provocations de toutes sortes, des perquisitions à l'aube sans mandat. Nous en avons marre de cet état de siège objectivé par la multiplication de ces contrôles sans ménagement, diurnes et nocturnes. Nous en avons marre de voir nos militants victimes de répression et collés aux trous pour de simples affichages. Nous en avons marre de voir nos militants braqués chaque nuit par une soldatesque sans nuance, comme nous ne pouvons pas supporter d'avoir vu l'autre nuit à Bastia au cours d'un affichage braquer un enfant de 13 ans. Bien innocent, je vous l'assure. Nous en avons marre de voir Capéretti en prison. Nous en avons marre de voir son épouse et ses enfants malmenés lors d'une perquisition sans mandat à l'aube. Les barbous ayant prétendu que c'était une histoire de cinéma, les mandats de perquisition. Leur délicatesse ne s'est d'ailleurs pas embarrassée de fioritures, car au cours de cet épisode et en toute priorité, les enfants de Capéretti, petits, qui dormaient, furent jetés à bas de leur lit en vue d'une fouille de leur matelas qui devait s'avérer naturellement négative. Nous en avons marre de la mauvaise foi, des fausses vérités officielles, des paroles lénifiantes. Nous en avons marre des attitudes et des propos hypocrites qui ne sauraient masquer désormais les véritables desseins des colonisateurs. Nous en avons marre du chloroforme.
nous en avons marre mille fois, parce que maintenant la coupe est pleine et elle déborde. Et je ne dirai pas comme la chanson qui fa, qui chise mon fa, car j'ai peur de me faire insulter. L'Arc a un capital énorme de prestige, de crédibilité dans l'île et la diaspora, a un capital important d'organisation, de foi qui crée les moyens, non plus d'une offensive dépassée, mais d'une offensive salvatrice. L'Arc peut impulser et conduire la lutte révolutionnaire, populaire, anticolonialiste, de libération. L'Arc peut mettre en jeu la propre existence du mouvement. Mais aujourd'hui, l'Arc peut faire encore beaucoup plus pour le peuple corse et pour son pays. Il a renouvelé ses instances récemment et les a restreintes, non pas pour exclure tel ou tel de ses militants valables, mais pour avoir un instrument plus opérationnel. Les militants qui ne font pas partie des instances, et j'en suis, ne se sentant nullement discrédités dans un mouvement où seule la foi et la volonté de servir animent le militant. L'Arc peut offrir aujourd'hui au peuple corse, sans ostentation, sans recherche d'effets douteux, sans recherche d'honneur, uniquement avec l'esprit de sacrifice au service d'une cause sacrée, la liberté et le sang de ses militants. Mais avant cet engagement tragique, lourd de conséquences, nous avons besoin, j'ai besoin de vous poser quelques questions claires, appelant de votre part des réponses claires, sans équivoque, ne permettant aucune dérobade. Votre silence ou vos réponses mitigées seraient interprétées par nous tous et par les militants qui se battent depuis une décennie comme une dérobade, comme un désaveu de notre analyse, comme le refus de votre engagement et mon intervention, ipso facto prendrait fin, préfigurant la mort prochaine d'un peuple qui représente tout pour nous. Il va de soi que vous êtes en face désormais de votre conscience, que vous êtes en face de gens qui ont toujours pris dans la clarté leur responsabilité hier, et qui sont prêts à assumer les responsabilités les plus extrêmes de demain. Nous attendons avec anxiété et espoir à la fois vos réponses. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? La Corse est-elle une colonie? La Corse doit-elle être décolonisée? Oui. Faut-il créer des milliers d'emplois pour les jeunes Corses? Oui. Faut-il corsiser à 80% la fonction publique et parapublique, le secteur bancaire? Oui. Faut-il créer les conditions objectives de retour de nombreux exilés? Oui. Faut-il donner à notre langue et à notre culture tous les moyens techniques de leur sauvetage et de leur promotion? Faut-il revendiquer un bilinguisme intégral, tant à l'école que dans tous les actes de la vie administrative? Faut-il désaliéner Casabianda? Faut-il rendre les terres du pénitencier à la vocation communautaire de nos jeunes ruraux? Faut-il chasser les colons escrocs? Faut-il rendre leurs terres à la vocation communautaire de nos jeunes agriculteurs? J'en profite au passage pour mettre en garde les spéculateurs qui, sous couvert du trafic dénoncé par Christian Mondoloni, croiraient en toute impunité, qu'ils soient corses ou non corses, pouvoir s'approprier ces terres. Faut-il chasser les promoteurs rapaces? Faut-il rendre ces terres volées à la vocation communautaire de nos jeunes attirés par le tourisme? Oui. Faut-il éviter à tout prix les affrontements entre Corses? Oui. Faut-il oublier nos divisions pour une urgente et nécessaire unité de combat? Oui. Devons-nous proscrire le racisme odieux, inutile et déshonorant? Oui. Le peuple corse, sous peu minoritaire chez lui, est-il en danger de mort? Oui. Le peuple corse
Car se priver de tous ses biens est-il en légitime défense? Oui. L'arc doit-il baisser les bras ou doit-il se battre? Oui. Pouvons-nous utiliser de façon responsable, réfléchie mais déterminée, tous les moyens qu'implique cette légitime défense? Oui. Et question de confiance, question capitale, êtes-vous prêt à assumer la lutte dure, inégale à nos côtés? Êtes-vous prêt financièrement? Êtes-vous prêt à nous donner les moyens d'une meilleure information? Êtes-vous prêt à déclencher des grèves et des manifestations de soutien si on nous emprisonne? Êtes-vous prêt à continuer une lutte sans merci si on nous tue? La clarté, la vigueur, l'ampleur, la foi de vos réponses ne sont pas une surprise pour nous, car nous n'avons jamais douté un seul instant, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans grandiloquence inutile, que nous avons pris rendez-vous avec l'histoire, que les lampions de la fête s'éteignent et que l'on peut envisager sereinement la continuation et la modification des luttes. Les buts de notre lutte, vous venez de les silhouetter. Un statut d'autonomie interne avec la reconnaissance juridique du peuple corse, c'est la revendication globale de base non séparatiste, mais des objectifs prioritaires à très court terme par ordre chronologique et de préférence. Création de 3000 emplois à 100% en Corse. Corsisation à 80% des emplois existants. Charte de retour des exilés. Promotion de la langue et de la culture corse, bilinguisme. Récupération des terres agricoles et touristiques à vocation communautaire. Récupération de Casabianca. La stratégie est claire. Comme nous l'avons toujours fait, en homme conscient de nos responsabilités, nous n'allons pas choisir l'anonymat, mais nous allons nous battre à visage découvert. Une telle lutte ne supporte pas l'improvisation, l'irresponsabilité. Elle implique une mobilisation nécessairement lente de tous nos moyens d'action et de propagande, de toutes nos énergies. Elle implique une concertation large avec toutes les forces syndicales, socio-professionnelles, culturelles, économiques et naturellement et de façon privilégiée avec les autres forces autonomistes. Elle implique dès aujourd'hui votre aide. Et nous pourrons constater, si vous mettez en harmonie vos paroles et vos actes, car dès la sortie, vous pourrez verser, non pas pour le profit de quelques dirigeants de l'arc, mais pour forger les armes de l'indispensable émancipation. Quels sont, dans cette lutte, nos adversaires? Nos adversaires, ce n'est pas la France. Nos adversaires, ce n'est pas le peuple français. Notre adversaire, c'est l'État et son régime. Notre adversaire, c'est le colonialisme sous toutes ses formes et ses valets. Les moyens que nous allons engager sont ceux dont dispose notre peuple et ceux qu'il saura créer par la lutte. En conclusion, notre stratégie et nos objectifs sont clairs. Notre foi sublimée par l'importance de l'enjeu est inébranlable. Désormais, notre lutte ne se contentera plus de promesses ou de demi-mesures. Avant d'en terminer, je veux effectuer premièrement une solennelle mise en garde à l'État colonialiste qui a créé de toutes pièces la situation actuelle et qu'il doit la dénouer conformément aux intérêts de notre peuple, pacifiquement si c'est possible, ou dans la violence s'il nous l'impose. Je dois adresser une solennelle mise en garde aux provocateurs de tous ordres, quelles que puissent être leurs motivations. À ce stade de la lutte, nous ne ferons aucun cadeau aux provocateurs, quels qu'ils soient. Je dois adresser une solennelle mise en garde aux colonisateurs qui ont désormais mangé leur pain blanc, ainsi qu'à leurs hommes de paille corses et non corses.
Ils ont d'ores et déjà leur billet de départ en poche. Je veux aussi effectuer un appel. Je veux effectuer un appel aux chefs de clan et à leurs partisans qui ne doivent voir dans nos actions aucune menace physique contre le bien, contre leur bien ou contre leur personne. Toute autre interprétation serait volontairement erronée et porterait en elle, par leur faute, le germe d'affrontements fratricides inutiles et enfin profitables aux véritables ennemis de la Corse. Je vais effectuer un appel à nos frères corses qui sont par nécessité dans les forces de répression et qui peuvent, dans des circonstances particulières, soit refuser de tuer leurs frères, soit refuser de mourir de leurs mains. Je veux effectuer enfin un appel solennel et respectueux au président de la République, dont l'intelligence doit lui permettre d'appréhender la réalité et la nature politique du problème corse, réalité et nature qui lui sont masquées par des conseillers intéressés ou peut-être mal informés. La dissolution intempestive et inutile de l'ARC n'aurait d'autre résultat que de précipiter, eu égard à notre enracinement populaire, eu égard à la force de nos convictions, que de précipiter des milliers de militants parfaitement connus et luttant légalement dans une clandestinité féroce, tragique et inutile. À Liberbou, qui a parfaitement compris la nature politique du problème, comme il l'a dit à plusieurs reprises, mais qui n'a pas les moyens de le résoudre, à Liberbou, qui a dit publiquement à un repas de la jeune chambre économique de Bastia, même 200 000 Corses autonomistes ne sauraient faire modifier la Constitution, fermant ainsi par ses propos la porte à la voie légale pour une revendication légale. Nous répondrons par la phrase d'un révolutionnaire sud-américain célèbre, Che Guevara, un révolutionnaire, où il gagne, où il meurt. Et viva un popolo corso, un nostro popolo. E viva la Corsica. E viva l'autonomia. Pace e fratellanza a tutti i fratelli, anche un somico all'Arc. E tutti in core, con Gian Paolo Martini, Natale Luciani, a Emma Cantà, i nostri canti nazionali, cui io vi salvi Regina e un Colombo. Dio vi salvi. Dice la
Thank you.